Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus et que cette méditation vienne ajouter dans la vie de chacun ce dont il y a besoin. Bien, nous avons parlé dernièrement au sujet de la parole que Jésus dit qui est dure, très dure aux chrétiens. Ceux qui se disent ou se pensent chrétiens, en ce jour, vous me direz Seigneur, 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 ouvre-nous la porte, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce sont les chrétiens qui commettent l'iniquité. À un autre moment, il dit que le royaume des cieux n'entre que ceux qui font la volonté de mon Père. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous faisons l'œuvre, prêchons l'Évangile, construisons des églises, menons le salut aux personnes que nous serons approuvés. Non, nous serons approuvés en accord avec notre caractère. Si nous avons le caractère divin, le caractère de Dieu, si nous cultivons la justice, et bien sûr, si nous disons que nous suivons Jésus, qui est la justice, n'est-ce pas? Vous êtes chrétien? Ah oui, je suis chrétien. Donc vous suivez Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est la gloire du Père, c'est la justice. Donc, quiconque suit la justice, qui marche après la justice, c'est-à-dire qui suit les pas du juste, qui est le Seigneur Jésus, cette personne marche dans la lumière. Mais quiconque se dit chrétien, mais ne marche pas en accord avec la justice de Dieu, suit l'injustice. Donc, celui-ci, théoriquement, est chrétien. Mais dans la pratique, il est incrédule. Parce qu'il suit l'injustice, le péché. Donc, chacun doit s'évaluer soi-même. Moi, je parle pour moi. Donc, si je marche dans la justice, si je suis de Dieu, je marche derrière la justice, c'est-à-dire pas à pas, je suis les pas de mon Seigneur. Maintenant, si je dis que je suis chrétien, si je dis que je suis de Dieu, juste à cause des œuvres que nous faisons, mais nous marchons dans le péché parallèlement, alors nous ne pouvons pas être sauvés. C'est une question même de logique. C'est une question d'intelligence. Quiconque suit la lumière marche dans la lumière. Quiconque suit les ténèbres marche dans les ténèbres. Donc, quiconque suit dans la lumière n'a pas de ténèbres. Et quiconque suit dans les ténèbres n'a pas de lumière. Qui suit, par exemple, la personne dit « Ah, j'ai le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité, n'est-ce pas? Donc, quiconque a l'esprit de la vérité dit la vérité. Mais quiconque a l'esprit du mensonge, quiconque dit avoir le Saint-Esprit mais dit des mensonges, vit dans le mensonge, cette personne, certainement, est en train de se tromper. Elle n'a pas l'esprit de vérité parce qu'elle marche dans le mensonge. À quoi bon dire aux autres que j'ai l'esprit de la vérité, que j'ai le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, et marcher dans le mensonge, dans les tromperies. C'est-à-dire, théoriquement, j'ai le Saint-Esprit. Mais dans la pratique, si je suis en train de mentir, je vis dans le mensonge, dans la tromperie, dans la corruption, alors je suis en train de mentir à moi-même. Je me trompe moi-même. Dieu
n'ai jamais trompé. Je peux tromper le monde entier, mais je ne peux pas tromper Dieu, ni moi-même. Je sais que je suis en train de vivre selon le mensonge. Donc, je n'ai pas le Saint-Esprit. Je n'ai le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité que si je marche dans la vérité. Donc, c'est une question de logique, d'intelligence, de sagesse. Vous n'avez pas besoin d'être une personne très spirituelle pour en arriver à cette conclusion. C'est clair. Donc, Jésus dit, tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Donc, mes amis, ne vous trompez pas avec vos faits, vos réalisations, avec vos offrandes. Vous donnez une grande offrande généreuse, mais vous vivez dans le péché, cette offrande ne vaut rien. Dieu n'accepte pas cette offrande. Vous saviez ça? Jésus a dit, quand tu iras vers l'autel présenter ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse l'offrande devant l'autel, non sur l'autel, laisse l'offrande devant l'autel et va résoudre le problème avec ton frère. Oh mon frère, pardonne-moi, etc., etc. Et là, le frère a pardonné, ou il a accepté, etc. Là, oui, vous revenez, vous allez, vous prenez l'offrande qui est devant l'autel et vous la déposez sur l'autel. Vous pouvez lire cela en Matthieu 5, 23. Donc, la foi, la communion avec Dieu est quelque chose de très transparent. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas tromper. On ne peut pas laisser des illusions. Non, si je suis de Dieu, je marche dans la lumière. Je marche dans la vérité. Je vis dans la sincérité. Je suis mari d'une seule épouse. Je suis un homme de caractère. J'honore ma parole, la parole que j'engage. Bref, je manifeste le caractère du Saint-Esprit qui est véritable. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. Et parce qu'il est de la vérité, quiconque a l'Esprit de vérité marche dans la vérité et pas dans le mensonge, dans le péché. Donc, ça ne sert à rien de dire « J'ai le Saint-Esprit, je parle en langue. » Quelle langue? Vous dites que c'est de Dieu, mais c'est du diable si vous vivez dans le péché. Il n'y a aucun doute. Donc, Dieu, mes amis, connaît. Il connaît très bien ce qui se passe en chacun de nous. Il discerne la propre parole de Dieu qui est l'Esprit, discerne les pensées et les intentions du cœur. Les intentions. Parfois, la personne n'a même pas commis le péché. Mais par le simple fait d'avoir une mauvaise intention, elle est déjà tombée en tentation. C'est ça. Vous rappelez que Jésus dit, si tu regardes une femme avec une mauvaise intention, tu as déjà adultéré avec elle. Tu as déjà adultéré juste par le fait de regarder avec une intention. Donc, Dieu connaît nos cœurs et les intentions de notre cœur. Il a du discernement, il voit tout. Et quiconque ne croit pas en cela est naïf et fou parce qu'il voit Dieu avec des limites et Dieu n'a pas de limites. Il est grand, il est très grand. Notre tête n'a pas la capacité d'imaginer sa grandeur. Il scrute tout. Donc, ça ne sert à rien de paraître une chose et d'être une autre. Et je ne dis pas cela pour condamner qui que ce soit, en aucune manière. Je suis ici en train d'enseigner la pratique du christianisme.
ce que Dieu requiert de chacun d'entre nous. Il requiert de vous, il requiert de moi aussi. Dans ce que je vous dis, je suis aussi en train de susciter en moi la foi qui va me préserver, la foi qui va me faire éviter ou qui va me faire fuir du mal ou du péché. Donc, mes chers amis, investissez dans votre santé spirituelle, investissez dans votre âme pour que vous ne soyez pas surpris ou pris par surprise lorsque vous devrez affronter la mort. D'accord ? Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu.